Bon, ben, maintenant, les amis. Ok, alors, on va voir un autre d'autres jeux de la part de mes adversaires qui ne réagit tout simplement pas quand un adversaire le dépasse. Sauf si c'est moi qui est tout prêt. Mais ça n'arrivera pas, je vais quand même finir troisième. Mais le joueur qui est en avant, genre, c'est le joueur finlandais. Veijo. Il va laisser passer quelqu'un, puis il tire même pas dessus. Fait que c'est carapace vite. Il les laisse carrément éloignés. Avouez, là. Avouez que c'est. Ça a vraiment pas de sens qu'il se produise avec sa carapace vite pendant au moins un tour. Vous voyez, il y a une carapace élevée ici. Bon, pour l'instant, tout va bien. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se protéger. Mais on est juste deux à le poursuivre. Regardez le joueur qui est juste en avant de moi. Il va le dépasser. Il ne fera absolument rien. Puis en plus de ça, il n'y a pas d'item, ce joueur-là. Moi non plus. On a pas tous les deux pièces. Regardez bien ça, il dépasse. Il dépasse à droite. Regarde comme il faut. Là, tu es là. L'autre, qui est là. Tu ne fais rien contre lui. Absolument rien, tu le laisses passer comme si de rien n'était. Oh, mais t'as-tu l'air assez con? Là, t'aurais dû tirer. T'aurais dû lui tirer dessus pour avoir l'avantage. T'aurais-tu peur que j'ai une carapace ou un peu parti? Pour ça que t'es protégé? Ça n'a aucun mot de sens. Regarde, tu vois bien que j'ai rien. C'est juste une banane. Il faudrait que je sois chanceux pour pouvoir bien te lancer. Je l'aurais fait, mais... Non, je ne l'aurais pas fait. Non, ok. Mais carapace rouge, pas le choix. Pour protéger. Lui, il ne fait rien, il garde en cours sa carapace rouge pendant un tour de temps. Tu sais qui est ça? Regardez ça, ça fait déjà un tour qu'il y a dans la carapace rouge. Il ne faut rien. Il laisse passer un joueur, deux joueurs. Sauf qu'il ne me soit jamais passé. Ça, je ne peux pas comprendre la raison de cette attitude-là. Regarde ça, j'en reviens pas, te laisser de la première place prendre de l'avance. Il t'était premier. Je comprends pas pourquoi tu n'as pas tiré dessus. Mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour tirer ta carapace verte? Seigneur, t'as-tu l'air bien endormi? Sauf que là, on a eu un contact, puis c'est le contact, c'était ma banane. Sérieux, là, Tania, tu t'es bien planté là. Mais pourquoi t'as ralenti juste pour avoir une belle balle pour enfin le dépasser? Non, avouez que c'est assez con, là. Avouez que c'est assez con. Il a ralenti juste pour avoir une belle balle pour vous foncer dedans. Avouez que c'est assez con. Non, c'était pas la bonne personne que je voulais viser. Non, mais avouez que c'est assez con. C'est assez con, il avait la première place en main, puis il laisse passer une personne, deux personnes. Puis tout ce qu'il avait en tête, c'était me cibler. Avez-vous remarqué? Il y avait des ici avec ce truc à la place là, de tirer en avant au moins, là. Il a réussi, bravo! C'est ça qu'il faut faire. Le long de départ, mais là, c'était toujours qu'il tirait sur l'un ou qu'il tirait sur l'autre. Comme j'ai tout qui est à la base verte, je peux pas tirer en avant vu que. Regardez. Les autres sont trop loin et je peux rien faire parce que je tire en arrière. Pas un bel choix. J'essaie d'attention mon avance. Et voilà, je t'ai eu. Écoute bien, le joueur finlandais. Tout ça ne serait pas arrivé si tu aurais mieux joué que ça. Tu t'aurais tiré au bon moment sur le joueur qui est en avant. C'est ta faute à toi, pas le mien. Tu t'es retrouvé dans les dernières places. C'est pas ma faute à moi, c'est ta faute à toi. C'est vraiment ta faute. Tu viens pas te venger en fin de partie. Ok, devant la ligne d'arrivée alors que tu gagnes. Puis que moi, je finirais troisième. Écoute, c'est ta faute à toi si tu t'es retrouvé sixième.
Je m'excuse, mais c'est ta faute à toi. Tu t'oses pas, si tu tiens même pas sur le joueur. Seigneur, c'est fou. En plus, t'essaies même pas d'accentuer ton avance en attaquant. T'attaques pas. Tu fais juste te protéger. Tu rentres tout le long. Tu ne te pas pourquoi après ça tu t'es retrouvé avant-dernier. Ben, c'est vrai, Krim, c'est bien trop vrai. T'sais, mais là, on fait exactement la même chose. Il me l'a déjà fait même deux fois sur le GBA sorti de Mario avec un truc à la passe vite en fin de partie. Il m'a toujours fait ça. Mais la troisième fois, ça n'a pas marché. Parce que j'étais prêt, j'avais juste contourné sa droite. Je voulais me couper pour rien, il a perdu trois places. S'il aurait mieux joué, je pense qu'il aurait conservé la troisième place. Mais non, il faut qu'il fasse le compte. Est-ce un hostile jeune qui soit meilleur que tout le monde? Il s'imagine que personne ne va l'attaquer. Et pourtant, c'est vrai, il y a juste moi qui attaque. Ici. Il y a juste moi qui attaque plus souvent que n'importe qui d'autre sur la planète. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas habitué. Vous n'êtes vraiment pas habitué de jouer en attaque. Puis vous autres, la seule manière que vous trouvez pour vous pratiquer, c'est tout le temps de me tirer dessus. Tout le monde ensemble. OK? Vous focussez juste sur moi en premier lieu avant les autres. Ben, arrêtez-moi ça, puis même si vous voulez gagner, tirez sur tout le monde. C'est bon. Si vous voulez garder votre avance, pas juste sur moi, là. Qu'est-ce que vous avez. Pourquoi vous avez tous une dent contre moi? Écoute, je suis nonchalant, à part si j'ai des bons items comme là. Mais là, j'ai pas le choix de conserver la troisième place parce que vu que deux autres étaient au loin, j'avais plus de carapace verte. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse de plus? J'allais tout même pas laisser faire. Comme d'autres joueurs qui ont une carapace verte, tout ce qu'il fait, c'est attendre. Puis je le dépasse à toute fin, ben c'est ta faute à toi. T'as pas voulu tirer, ben c'est ta faute à toi. Osez plus. Puis je comprends dans le jeu Super Smash Bros, OK, qu'on apprend aux gens à mieux se défendre. OK, parfait. Mais qu'est-ce qui arrive à l'attaque dans ce temps-là? Il arrive à rien. Tant que vous n'avez pas d'ouverture, vous n'y allez pas. Mais vous n'essayez pas d'ancrer non plus. Parce que vous pouvez mieux toujours jouer en mode, vous êtes toujours en mode autodéfense. Et moi, pour vous dire, là, ça m'écœure. Vous dites dans le sens que c'est mauvais, puis que. Ça n'a pas d'allure. Et, écoutez, si je vous dis que vous êtes vraiment fait mon attaque, c'est que c'est pas pour rien. Je vous en fais la démonstration là. Je suis sûr que vous serez capable d'être autant bon que moi en attaque. Si au moins vous en donnez la peine. Mais que ce soit pas. Mais ça donne pas. Mais il faut pas que ce soit juste que sur moi que vous visez. Faut que ce soit aussi les autres. Mais je peux pas comprendre que vous les laissez toutes passer. À part, excepté moi. Vous avez bien vu, il y en a laissé passer un, puis il en a laissé passer deux, puis il reste un canapazo pendant un tour de temps. Écoute, combien d'exemples il faudrait que je vous montre pour que vous vous réveilliez? Que ça n'a pas de sens, votre jeu. Que c'est vrai. Que vous en prenez un joueur d'expérience, puis vous vous rendez pas compte que vous faites de la peine en faisant ce genre de jeu-là. Comme c'est pas moi la priorité, c'est ceux-là qui essaient de vous dépasser. Après ça, c'est moi après ça là, qui est juste en arrière. Tu t'occupes de celui-là qui est tout prêt, après ça, tu t'occupes de l'autre qui est tout prêt. Puis quand j'ai un peu me dire que les gens attaquaient ceux qui étaient les plus proches, c'est faux. Parce que tout le monde s'attaque à moi. Je vous en ai montré un exemple ici. Le joueur de Wario, c'est ce qu'il a fait. Il a décidé de se mettre en sixième position, en milieu de deuxième, pour pas avoir une bébé pour espérer me foncer dedans. Ça a marché, sauf que le problème, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre avec un petit carapace qui est arrivé,
puis elle a réussi à l'atteindre avec une scarabée qui a bien joué. Puis après ça, ben c'est à mon tour de faire la même chose que lui. Il a voulu le dépasser, ben tiens, je te tire dessus. Il a fallu que tu fasses plus attention. Demandez-vous pas pourquoi je suis prudent. Parce que je connais tous vos trucs, mais le problème, c'est que vous êtes toujours après moi. C'est juste ça, le petit ennui là-dedans. Vous n'attaquez personne, mais vous m'attaquez moi. Ça, je peux pas comprendre ça. Il y a sûrement quelque chose qui vous agace, que j'aimerais bien comprendre c'est quoi. Parce que ça n'a pas d'allure que vous en prenez tout le temps à la même personne. À chaque fois. Qu'est-ce qui vous dérange de cette personne-là? Qu'est-ce qui vous dérange de moi? C'est ça que j'aimerais comprendre. J'aimerais ça le comprendre. C'est-tu si dur de venir sur YouTube et me laisser un commentaire pour me dire, pour m'expliquer le pourquoi? J'ai besoin de comprendre parce que ça, pour moi, ça fait aucun sens. Puis Melo Dente, ils sont très gourmands, là. Ils ne laissent aucune mauvaise de chance de pouvoir être dans le podium. Aucune chance. Ils ne laissent vraiment aucune chance dans ce jeu-là. Aucune. Dès qu'ils me voient, ils me lancent leur système dessus. Mais quand c'est les autres, ils attendent trop longtemps. Donc, pensez-vous réellement que je suis un jeune de 17 ans? Pensez-vous réellement? Je parais de ça, mais je parais 10 fois plus vieux. Je suis 10 fois plus vieux que ça. T'sais, j'aimerais ça cause de manière conviviale, puis que au moins que je vois des gens bien brillants qui savent jouer. Pas des gens qui font juste se protéger durant tout le long d'une game, puis attendre que l'autre fasse son temps. Ben, s'il voit quelqu'un d'éveillé comme moi, il agira pas. Fait que pour moi, ça pourrait m'avantager dans un sens, mais ça dépend de la course auquel on joue. Et en parlant de course, pourriez-vous, s'il vous plaît, varier un peu vos courses, s'il vous plaît, à tout le temps, toujours jouer les mêmes, même si c'est tout le temps les mêmes qui apparaissent. Parce qu'à la fin, on dirait des courses variées, parce que moi, je trouve ça plat. Ça, j'étais toujours gaffe, par exemple, Mine Wario, Métro Turbo. Hey, je m'en crisse de Métro Turbo. Ok, je l'aime pas cette course-là. Est-ce que vous pouvez changer, s'il vous plaît, pour autre chose? Puis je choisis la route du dragon parce que je l'aime bien, puis aussi je performe bien dans cette course-là. J'aime ni non plus l'Exter Bay. L'Exter Bay, je le trouve vraiment plate comme course. Tellement plate. Mais Mario, ça me dérange moins, mais s'il vous plaît, varier un petit peu, ça serait fun si au moins il pouvait y avoir des gens qui choisissent Nintendo 64. Plus de gens. Puis qui arrêtent de me faire des essais de random, c'est à chaque fois. Genre qu'il y a des gens qui me mettent des random. Je sais pas qu'un Nintendo 64, genre Val de Yoshi ou encore Royaume de Peach, genre. En fait, le circuit de Peach, dans le fond, le circuit de Peach. Et la version de Nintendo 64 ou encore l'autoroute Toad aussi. Il y a d'autres courses aussi que j'aime aussi, j'aime jouer. J'en ai aussi des favoris comme New City, je l'aime bien quand même aussi. Blue City aussi. Mais je sais pas le choisir trop souvent là. Une fois qu'il est choisi, j'en choisis un autre. Sinon je fais hasard. S'il y en a un qui m'intéresse pas comme Volcan Grondant. Pourquoi vous tripez tant sur cette course-là, Volcan Grondant? Il n'y a rien d'excitant à jouer Volcan Grondant. Juste à la course que la course était cheatée au bout, l'autre a sorti sa Wii, genre, avec le glitch de la montagne qui permet de pouvoir finir en moins de 25 secondes vos trois tours. Bon, regarde, je vais vous montrer une preuve, ok, que Melo me laisse aucune chance de pouvoir l'emporter. Ok, là c'est Melo maintenant que je vous montre. Il me laisse aucune chance. Et ça, ça me déçoit beaucoup. Moi, j'en laisse des chances aux gens.
J'essaie pas de leur pousser ou bien de leur voler des blocs d'items. Tout le monde peut en avoir, je veux que tout le monde puisse rivaliser entre eux, mais c'est que je remarque bien souvent que les gens me ciblent en premier lieu. Puis lui, Melo, quand une carapace bleue lui saute dessus, si c'est moi qui est en seconde place au loin, il va quand même s'arrêter derrière dedans pour que je le reçois avec lui. Ce joueur-là, et moi, je vous le dis, je le trouve vraiment. Il joue vraiment, vraiment mou. Il joue très mou. Puis dès qu'il me voit dans la salle, il fait tout ce qui est en ton son pouvoir pour venir m'embêter, disons-le. Il fait juste me causer du tort. Il veut pas me laisser aucune chance d'avoir la première place. Puis moi, quand j'ai la carapace bleue, ben moi je l'accepte, ok? Je suis pas un joueur lâche comme lui. Qui s'amuse, ok, à se faire prendre la carapace bleue avec un autre joueur, avec l'un de ses rivaux. Vous voyez ici. Regardez, il l'a fait carrément exprès. Ça m'étonne que personne d'autre l'ait frappé après ça. Tu sais, vous laissez tout le temps ces joueurs-là gagner. Pourquoi? Je peux pas vous comprendre là-dessus, hein, mais il semble que ça fait pas de logique, là, l'autre qui a une carapace rouge. Au bout du compte, j'ai fini 8e. À cause de ça, j'aurais pu avoir la première place. Mais dès au moment que j'ai la première place ou que je m'apprête à l'avoir, il m'arrive toujours ça. Tout le temps. Quand je vois dans ces genres, c'est-à-dire quand je joue contre Dente ou bien Melo, ils font toujours la même chose avec moi. Toujours la même crosse tout le temps. Ils sont tout le temps focusés sur moi. Toujours. Ou sinon, ils font juste jouer à coup de champignon au départ, ok, en dernière place pour faire un comeback de même. Juste pour gagner facilement. Je trouve ça poche de votre part. Moi, je trouve que c'est une astuce vraiment faible. Une astuce réellement en poche. Moi, je trouve ça réellement en poche. Parce que vous avez peur de toute confrontation. Imaginez si vous jouez à Super Smash Bros. Seigneur, vous allez faire vous démolir en moins d'une minute. Et vous t'offrez même pas une minute et demie. La manière dont vous jouez à Mario Kart 8. Comment que ça fait que moi, je suis capable de résister aussi longtemps à jeu, malgré malgré que vous me sautez tout dessus à tout bout de champ. Et vous savez pas faire les bonnes choses dans le jeu. Pourtant, si vous êtes si expert que ça, montrez-moi-le que vous êtes meilleur que tous les autres. Quand que je vous dis ça, c'est pas genre juste me viser dessus, là. C'est viser sur tout le monde, crime. Puis à sentir son avance, qu'il ne pas laisser quelqu'un vous doubler là, facilement, là, puis vous faites rien contre lui. Puis que moi, quand que je vois vous faire ça derrière, c'est vous qui allez con, vous perdez une poussion juste pour m'atteindre avec vos systèmes. C'est assez con votre affaire, arrêtez ça. Vous trouvez pas que vous abusez pas mal? Non, mais crime, réveillez-vous, crime, Seigneur, êtes-vous pour ça ou bien vous êtes juste des lâches.